Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera sur Yooka-Laylee sur PC. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai pas fait avant. Donc j'avais certains incidents avec mon logiciel d'enregistrement. Après 4 heures de vidéo, je vois que rien n'a été record, que c'est que du noir. Donc là je le fais donc depuis XSplit. Donc on va donc tout de suite commencer une nouvelle partie en allant là, et j'espère que vous allez bien goûter à la fin parce que donc je vous laisse avec l'entrée et on se retrouve juste après. Ah 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 ah
Ok, donc on va pouvoir commencer. Donc c'est des petits décors comme ça, bien sympa. Alors est-ce qu'on peut faire des choses déjà? J'ai oublié. Non, on peut rien faire encore. On va directement aller là-bas. Donc maintenant on peut faire du 1080p 60 fps sans problème. Ça roule les amis, c'est un plaisir de vous voir. Bonjour, je m'appelle Yuka et voici Layli, mon ami Layli. On se connaît? Bien sûr, c'est moi, Trouser, le vendeur de pion a été habile. Ah oui, je me souviens, tu es l'escroc qui nous a vendu cet écran. Plat pourri. Non, c'est pas moi, tu dois te tromper la vie. Salut Trouser. J'aurais prévu passer un livre magique, volant. Pour 5 plumes peut-être. La demande est forte maintenant. Que cette histoire de livre a commencé. Peut-être que vous en trouverez assez sur ces coffres à trésor. Déjà essayé d'en cocheter pendant que le dé est en vain. Ah, pour les oreilles, il vous faut l'une de mes techniques spéciales. En utilisant X, notre ami vert peut effectuer une attaque tonique. C'est fracassant. Appuyez sur X pour attaquer. Compris. Excellent. Maintenant, allez casser ces coffres au trésor et ramenez-moi 5 plumes. Youhou! Hey. 200 plumes par niveau quand même, ouais. Donc, j'espère que la qualité de la vidéo sera bonne aussi. Celle de mon micro avec ma nouvelle carte son, normalement, elle devrait être un peu mieux qu'avant. Donc ça n'aurait plus laguer sur les vidéos maintenant. Donc j'ai sur mon logiciel de capture de base d'XStory, je n'arrive plus à filmer en fait, je sais pas pourquoi. Il veut plus capter les jeux. Donc je suis obligé de passer par Xsplit, en tout cas pour ce jeu là, on verra pour les autres plus tard. On va faire un double saut en tout cas. Donc pendant ce temps, donc on suit la demande qui nous a indiqué, donc on suit tout le monde. Enfin, on suit tout le monde, on va plutôt récupérer les plumes, voilà. Ah, je sais un décès papy, tiens, mangez-moi avec lui pour récupérer de la santé. Là, il y a un canon, mais faut encore rien faire avec lui. Bon, ça suffira, je pense, pour vous rafraîchir la mémoire. Revenez. Genre, il nous suit comme ça, le mec. Il s'y cru. Oh, attendez, je crois avoir trouvé un passage. Je sais pas si on peut encore y aller, mais on va vérifier. Voilà. Non, on peut pas encore y aller ici. Petit coffre. Est-ce qu'il y a un coffre sous l'eau là? Non, c'est vrai, on peut encore rien casser sous l'eau donc. Donc j'ai déjà fait le premier monde de mon côté, hein, donc en 4 heures, je vous avais indiqué. Peut-être là-haut. Avec quoi encore été voir. Oui. Cette zone est censée en avoir 10, donc il en manque encore une. Oups, j'ai pas voulu tomber, non. C'est faux, c'est pas moi. Bon, je regarde bien que ça ne lag pas, que ça reste en 60 fps, bien entendu. Je sais pas pourquoi je m'embête, alors je peux directement y accéder par là. Voilà, le deuxième coffre. Donc on peut voir les infos ici. Donc voir tout. Ah oui, faut pas que je me trompe. Comme je jouais à la Switch en même temps, c'est un peu difficile. On a les 10 plumes. Donc il y a 20 pages dans cette zone. Oh. D'accord.
pas bien. Bien, allons-y. Vas-y, Zotter, crache le morceau, où est notre livre? Notre livre s'est dirigé vers la société derrière ce portail. Il s'est passé autant de choses depuis le rachat par la ruche Corp. J'y vais moi-même pour vendre certaines techniques, laissez-moi vous ouvrir. J'espère que le micro n'est pas trop fort quand même. Puis toi, Yuka, récupérons ce livre avant que Trozor ne se rende compte qu'on ne lui a pas donné les plumes. Hein. Là, c'est un peu considéré comme tuto ici. Voilà. J'ai un peu skippé la zone. Hein, c'est des didacticiels, oui, comme l'a indiqué notre cher Lenny. Ces petits canibles, quoi. Pour vous, les joueurs de Call of Duty. Chasse de louche ici, Lady. On devrait mener notre petite enquête. Notre enquête, voilà. Et les amis, par ici. Je vois les amis, je vois que vous apprenez vite vos techniques de base, n'est-ce pas? Ok. Splendid, il est temps de tester vos compétences. J'ai aperçu un morceau de votre livre. Oh, dommage. Et si vous étiez la récupérer et voir ce qui se passe, j'irai bien voir moi-même, mais j'attends un appel important du boss du monde 1. L'une de mes super techniques m'intéresse. Oui, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre pour le moment. Donc on va monter. J'espère en tout cas que c'est fluide hein, de votre côté. Ça prend beaucoup de place. C'est peut-être parce que c'est de la bonne qualité. C'est la. Un peu, mais pour le moment, là on est à peine à 15 minutes, on est déjà à 4 gigas. Bizarre. Je verrai bien. Bonjour, toi, qui es-tu? Je suis une pasille, je vis à l'intérieur du tout puissant livre unique. Le livre unique? Quel peut être sa valeur? Le livre unique est extrêmement puissant et il a été volé par le maléfique Capitaine B. Et Capitaine B débloque le pouvoir qui contient sans compagnie quand il sera capable de réécrire l'univers. Heureusement, nous les pagilles avons fui le livre unique et nous sommes cachés sans les pagilles, le livre unique n'est plus quoi qui vide. Si vous utilisez pour déverrouiller l'âge du grand tome,
Dans cette usine, nous pourrons visiter un autre monde et chercher mes autres amis. T'inquiète pas, on va t'aider, Pagy. Allez, on doit trouver un de ces grands hommes et chercher d'autres Pagy. Salut les amis, je pense pouvoir vous aider dans votre nouvelle quête, venez me voir pour plus de détails. J'essaie de leur faire un petit tour. Oui. Et les amis, vous devez explorer les grands hommes et moi j'aimerais débrouiller mon affaire dans un nouvel lieu, si on concluait à marcher. Donc cher grand homme que vous débrouillerez, je vous aiderai avec votre nouvelle technique gratos. Ça me semble intéressant, entre ça. Marché conclu. Super, retrouvez la technique et l'une de mes marques de fabrique. Si vous maintenez enfoncé RT, vous aurez l'adhérence nécessaire pour dévaler des rampes glissantes. Et juste un petit détail connaître, les amis. Plus vous utilisez ce pouvoir longtemps, plus vous videz de votre charge de puissance. Alors, roulez intelligemment. Au lieu de manger des papillons, vous pouvez aussi les récolter pour remplir votre charge de puissance. Et il ne le savait pas que c'était moi son papa. Pourquoi n'essayerez-vous pas, n'essayez-vous pas ta technique des Browser TMs de cette rame glissante? Pourquoi pas? Eh oui, pourquoi pas? Oh, une machine. T'as cette musique. Ouais, on roule, trop bien. Regarde, Ellie, une pagaie dans une case, c'est trop in. Dans une case, j'ai pardon. Allez, des gouttelettes de Capital B m'ont enfermé dans cette prison en métal. Va pas s'entrer les barreaux, t'es assez fine. C'est fendé son assistant. Bon, alors dis-nous où est la clé. Il n'y a pas de clé pour débrouiller les cagis, et il faut résoudre les ennemis à côté, mais vous n'avez pas encore appris la bonne technique pour m'aider. Ok, Pagine, nous reviendrons plus tard. Bienvenue, vous avez atteint le premier grand homme. Les grands hommes sont des portails magiques venus, de nouveau monde. La ruche semble en avoir capturé plusieurs, mais nous autres, les Pagis, sommes les seuls à pouvoir les déverrouiller. Allez-vous sur l'interrupteur et si vous avez collecté assez de Pagis, nous pourrons l'ouvrir. Ah ouais, après on rentre et on sauve notre page, c'est ça. C'est ça, une fois à l'intérieur, n'oublie pas que d'aller voir Trésor, les techniques qui vous vendent vous aideront à poursuivre votre aventure. Ok. Pagy, et voilà. Venez, c'est plus tard, et je vous en dirai plus sur les grands hommes. Les hommes de grande taille, quoi. J'ai l'habitude de la manette de la Switch et les touches inversées. Collecte des Pagis pour progresser dans le repère de l'entreprise de Capital B. Autre tribulante. Alors tout d'abord, passons par là. Voilà. Je sais qu'il y a quelque chose en bas. Un fantôme. D'accord. Ok. Bon, on ramasse un peu les plumes parce qu'on en aura besoin un peu plus tard. Tu vas tenter de t'enfuir, mon cher, mais tu n'as rien ici. Maintenant montons là-haut.
Parce qu'on va pas monter en bas, lol. MDR, je suis trop marrant. Ancien danger. Tu crois bien que je me suis encore foiré dans Petra. Oh, pas la peine de m'insulter. Dans le Petra. Oh, insulter le petit chaudron. Et... l'air de souffrir de malnutrition. C'est impossible qu'il y ait chance de vous voir. J'ai été kidnappé par ces choses et ils veulent me cuisiner. Si les enfants, elles devraient essayer de trouver plus cher du quoi. Bon sang, on ne peut plus être une exploratrice de renommée mondiale sans que tout le monde veuille vous cuisiner et vous manger. Aidez-moi à m'enfuir et je vous donnerai une pagie. Faites vite, mes ravisseurs vont revenir d'une minute à l'autre avec des condiments. Oui. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, nous allons vous sortir de là. Allez, regagnez-toi de cette ermite étrange du bazar. Ils sont bizarres. Les chauves-souris vont avec sur deux squelettes. Plus consistante. Je vais vous mettre la portée, moi, vous allez voir. Avec le loup dîner est annulé, pardon. Merci, gentil lézard, vous avez ma reconnaissance éternelle. Ça pourrait tomber une sacrée raclée, mais j'ai le sentiment qu'il me revient. Vous chantez jusque dans vos os? LOL! Allez, votre courant, vous l'avez bien hérité. On a une pagie. Par où aller suffisamment? J'aurais pas besoin tout de suite, tiens. Salut, voici Lily, je suis Yuka. Et toi, qui es-tu? Je suis Nimble. Et vous me plaisez bien. Vous dites faire la course sur mon parcours. Peut-être le plus rapide, hein. Donc ça implique une pagie, tu peux compter sur nous. Qu'en dis-tu? Yuka. Wiper. Bien sûr, lui. Faisons la course. Course de nuages, c'est super moderne. Donc j'espère que vous entendez juste ma voix et pas ce qui est autour. Alors non, avec la nouvelle carte graphique, ça devrait pas se passer. La nouvelle carte, pardon. On dit qu'il passe toutes les portes en portail. Je me suis loupé. Je l'aurais pas, j'ai loupé. On va la rattraper. Bien fort! Impressionnant, je n'arrive pas à croire que vous ayez terminé avant moi. Ouais, ouais, donne-le la PJ, tranche de barbe à papa. Oh oui, bien sûr, on va cuire le butin, vous l'avez bien mérité. Ouais,
Pagé, j'entends. Temple de Duke. Duke Nukem, hein. Lol, trop fort. Bien le bonjour, bon aventurier. Magnifique journée pour chasser, n'est-il point? Ouais, vous n'êtes pas censé parler simplement et foncer droit sur nous? C'est le Néandertalien de la rue? Absolument pas. Vous savez, je suis la personne la plus aristocrate. Le personnage le plus aristocratique du jeu. Non, est-ce que pas? Il y a un type qui va dans un gigantesque palais de glace dans les mondes suivants. Il doit être Plurzas. Oui, vous l'extrême gentillesse, sautez des gentlemen quelque peu dans l'embarras. Ce temple antique abrite un stand de tueur divin, mais un malpropre à qui mes fenêtres à l'étage. Voudriez-vous bien, cher compagnon, lui rappeler sur le toit et débloquer les fenêtres? Cette tâche me semble à la hauteur de votre stature. On va y jeter un œil. D'accord. Oh là là. Alors j'ai pas encore la tactique, c'est vrai. Alors pour celle-là on peut pas encore la faire, j'ai pas encore les techniques nécessaires. Et puis bon, on dirait plutôt un vieux temple en ruine. C'est vrai, ne faites pas attention. Les meilleurs designers sont sur le coup, la grande classe. Et alors vous êtes vraiment ici pour les célèbres malheurs avancés de Trouser. En effet, on aimerait bien besoin de nouvelles techniques, Trouser. Splendide. Rien que pour vous, mes amis, je vais vous apporter du curry pour seulement 30 plus, mais l'affaire. Attends une seconde, je croyais qu'on avait marché. On déverrouille les mondes, mais tu nous files les trucs gratos. Les techniques sont gratuites, sont pas disponibles dans la ruche, j'en ai bien peur. Dans les bordes des tombes, c'est le business. Le business, c'est le business, pardon. Et bref, ce que vous cherchez, remplira les formulaires. Ah, j'ai passé. Excellent choix, vous êtes sûr de vouloir cette technique? Ok, c'est quoi cette technique, Trouser? Ma technique est... quasiment pour rien. Sérieusement, avec cette voyage, je vais devoir hypothéquer une deuxième fois dans la maison. C'est aussi une minerie toute cabossée. Là, il est. Effectuer avec la cabicale, il suffit de sauter en l'air avec A et de pied sur LT pour envoyer votre ami vers s'écraser sur la fin de la maximum de dégâts. Oh, ce serait plus logique que ce soit Lily qui s'écrase au sol. Ouais. N'y compte pas. La chimique écrasera sans effort tous les obstacles et ennemis. Bien. Faut-il une assurance accident en même temps, mes chers amis? Eh bien... Non, c'est rare, merci. Merci, Vermisso. Ok. Il me faut encore quelques-unes. On va déjà faire ça. Salut Extra, il n'y a pas tant à vous faire, le central bien pour mon défi. Pouvez-vous vous occuper des trois autres fans de paquet, ce serait merveilleux. Ouais, on va pas y rentrer tout de suite. Hein. On peut faire qu'est-ce que tu es censé être, hein? Je suis un morceau de Pagie, j'ai été déchiré et jeté dans cette jungle par les sbires de Capital Bay. Les autres morceaux ont été éparpillés avant d'examiner. Il vous plaît, trouvez mes trois autres morceaux pour moi constituer. Oh la pauvre. T'en fais pas, on va t'aider à le récupérer. Le repas est un jeu moderne, Lucas. Les objets de collection devraient être complets. Oh là là, comment il casse le quatrième mur. Un morceau. Et c'est la deuxième morceau de Pagie, plus que deux. Là, vous avez vu un fantôme, c'est pour après. J'ai galéré à le trouver la première fois. Deuxième morceau de Pagie. Sur le tapeur. Oh non, non. Bien bonjour, j'ai l'aventure, je suis le carrier. Je parie que vous êtes un homme de poids. Quel est votre nom?
Je m'appelle Sirskov Salo. J'ai l'honneur d'être. Ah, j'ai pas vu, je m'en doutais. Continuez, parlez-nous de votre brave chasse au trésor. En effet, mes compagnons chevaliers et moi-même sommes engagés dans une quête audacieuse pour trouver le lieu secret du grand rempo. Pour des raisons de sécurité, nous nous sommes séparés pour explorer 4 lieux différents. Toutefois, je me sens un peu trop chargé pour les retrouver. Peut-être arrivez-vous de m'aider à retrouver mes compagnons, chevaliers et le trésor. Ne vous inquiétez pas, Scott Salo. Nous allons vous aider à retrouver vos chevaliers. Excellent. Premier cheval n'est pas loin, chevalier, permettez-moi de vous donner un indice. Mes pieds sont mouillés, mais ne soyez pas inquiets, à la noyade, je ne suis pas sujet de cette ville gouttelette. Si nous oublions, nous reviendrons vous voir. Je sais où ils sont, ça va aller. Juste que je retrouve la dernière page. Je sais comment je l'ai retrouvée. Elle est là-haut. Ouais, vous avez tous retrouvé, après j'ai vu de moi et à son donc. Vous avez trouvé tous mes vœux que je suis libre. Pas pour longtemps, mais le monde. Oui, je sais, j'ai assez de pagis, mais on verra ça après. Au milieu, je veux avoir assez de plumes pour pouvoir avoir les deux techniques qui me restent. Ah oui, il y a également ça, j'avais zappé. Là, là, et là. Ça, c'est, il y en a un par tome. Hein. Je sais juste où est celui-ci parce que je l'ai fait pendant comme ce tome-là. Ça va être assez vite les vidéos. Hein. Ça va être pour les suivants qui seront un peu plus longues. On va essayer de récupérer donc les 60 plumes dont j'ai besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Il y a rien. T'inquiète pas le fantôme, je t'entends. Voilà. Ouais. Pour le moment, parce que vous verrez pourquoi plus tard. Hein. 60 FPS, ça va. C'est de la bonne qualité, c'est de la bonne, les gars. C'est de la bonne vue. Le premier cochon est là. Circulez, il n'y a rien à voir ici. Bonjour, Sirskov Salo nous a envoyé vous trouver à propos d'un trésor. Le butin de Lutz. Le bout de Salo ne vous regarde pas, pas les pattes. Je vous donnerai un indice pour trouver mon partenaire, mais c'est tout. Ça suffit les ennemis, vous pouvez nous indiquer simplement où il est. Bien sûr que non, ce serait trop facile. Qu'on passe en appelant fort à travers l'île du palais record. Je sais où il est également, mais on ira après à lui.
déjà s'occuper de récupérer les livres à cette plume. Hein. Et ben, 10. Ok, je crois savoir ce qu'il faut faire. Il y a lieu par là. Bah, je sais ce qu'il faut faire, mais il faut juste que je retrouve, c'est ça le truc. Fail. C'est pas grave, je l'ai eu quand même. Je vais te me choper. Encore une fois. Mais c'est pas vrai. Voilà, c'est bon. Ça c'est bon, j'ai 63. Je crois que j'en ai assez. Je vais juste vérifier que je loupe aucune plume. Non, ça va. Alors maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va acheter les deux techniques qui nous manquaient. Crash misère. Oui, je suis sûr de vouloir cette technique. Bien, hein. Ça va prendre quelque chose de cool. Merci, préparez-vous. Cette nouvelle technique est vraiment spéciale. Une technique exceptionnelle. Vas-y, crash le morceau, on va. On a des livres magiques à remplir. D'accord, si vous tenez face à des objets comestibles, comme des PO, vous appuyez sur B pour manger. Génial. Hein. On aurait dû garder des plumes pour le monde du casino. Tout calme lui, ces techniques de bien permettent autre chose. Bien, si vous appuyez sur X après avoir mangé, notre univers crachera sur place sous la forme d'un projectile puant. N'importe quoi, je suppose que ta prochaine technique ça apprendra à faire des fautes. Et voilà, justement. Excellent choix. Vous êtes sûr de vouloir cette technique encore une fois? Nous sommes prêts à apprendre, Trouser. Landy, je vais vous apprendre la technique que j'ai utilisée pour battre le boss du monde 3 en sacré combat. Ah, c'est même pas t'oublier correctement. Utiliser le sonar d'attaque, il suffit d'utiliser Y pour que mon ami Fio. Et tu détires dévastateurs d'énergie sonar. Ça a l'air cool, autre chose, Hermiso. Vous pouvez tirer sur des ennemis pour les assommer ou activer des totems sonars pour découvrir des objets invisibles. Attention, madame. Monsieur Dame. Chaque tir vide votre jauge de puissance. Tiens, voulez-vous souscrire à mon assurance de 18 mois? On ne sera jamais. On ne sait jamais, vous aurez peut-être oublié cette technique d'ici la semaine prochaine. Ça va aller, merci. Ouais, non, ça c'est déjà fait, c'est juste pour en prendre, c'est parce que je voulais. C'est que je peux faire B. D'accord. Ce qu'on va faire maintenant.
C'est qu'on va retourner tout au début, dans Rush Corp. Ah, par ici. Extro, un seul jeu d'arcade caché dans chaque monde de livre. D'accord. Personne ne sait pourquoi la femme de Nimbo l'a quitté pour un jeu. Pour Typhoon, je crois. Il était pas juste pour agrandir les pages. Et... Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on va faire à l'instant. Développer à l'aide de Pudgy que vous avez trouvé. Si vous décidez de les développer, les mondes seront plus grands et remplis de défis supplémentaires. C'est-à-dire que comment fait-on? Alors, vous avez trouvé assez de Pudgy, c'est à vous de décider si vous souhaitez utiliser pour développer un grand totem des jeux ouverts ou si vous souhaitez continuer à fouiller la rush pour développer un nouveau livre. Développer ou explorer. Oui, le choix vous appartient et vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez tant que vous récoltez suffisamment de Pudgy dans votre aventure. Nous utilisons le Pudgy pour développer un grand totem. Rien de plus simple, placez-vous sur l'interrupteur devant le tome et appuyez sur A, je vous dirai combien il faudra de pages pour développer le tome. Après, nous allons donc continuer notre aventure et décider si nous développons ou exploitons. Donc on sera plutôt du joueur à développer avant d'explorer. Et donc là, il faut 3 pages. Tada! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dedans. Docteur Puzz propose une transformation différente dans chaque monde de livre. Et attention, c'est bientôt l'heure du quiz coin du Docteur Crack. Non, pas ça, tout sauf ça. Donc, voilà. Le monde s'est développé. Shovel Knight. Et voilà, et donc nous allons nous arrêter là pour cette première vidéo sur Yooka-Laylee. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime sur tous vos abonnés à la chaîne. C'était tous d'être moi chez Timon HD, passez une bonne journée, une bonne soirée, vive les jeux vidéo.